merveille-moi en béni. Bon Dieu, merveille-moi en béni. Bon Dieu, merveille-moi en béni. Oui. 8 mars 2017. Opération sans prévision, sans pas de malade. En urgence, nous obligé à entrer à l'hôpital. Et l'homme est rentré à l'hôpital. Opération ça, c'est une opération qui t'a coûté en pile bagaille. Opération ça, t'as pas le faire perdre en pile force en tant que jeune fille qui a fait effort pour qu'elle tête dans l'évangile. Et puis pour apprendre après opération ça grand pile possibilité pour pas gain petit. Mais Seigneur a demandé après opération ça pour me dire merci d'avance. Non seulement pour me dire merci pour la ville ban moi, mais pour me dire merci d'avance. En dépit de tout pronostic médical. L'homme t'a opéré en 2017, grand pile bagaille, m'a pas dit dans témoignage, j'ai bon Dieu t'a demandé pour me kembe secret. Mais il y a quelques monde qui proche. Il y a quelques monde m'estime qui t'est famille, m'a partagé ça avec lui. L'homme t'a opéré, m'a gon tumeur et tumeur là t'a dégénéré. Ovaire moi t'a gâté. Docteur t'a obligé retirer ovaire moi yo. Ovaire moi t'a gâté. Le docteur a retiré au verre moi yo, il dit moi opération ta doit faire une heure temps, mais la fait plus que ça, li ka presque durer 3 heures temps. Moi ouais au verre droite la gâté net, li pourri net, pas gain espoir pour lui. Au verre gauche la gâté en pile. Mais gon ti cal bagaille m'ka joindre là dans souda comme fait plus temps sous pas veut sortir. Me dit docteur met nettoyer au verre gauche là. Ça ka fait là pour le faire. Docteur a nettoyé, il retire au verre droite là qui était gâté, pas de bon encore du tout. Il jette, il prend au verre gauche, il prend sang pour le nettoyer. L'œil fin nettoyé, il montre, il dit mais c'est sacré, moi mettez-le. Moi connais ces monde qui a prié, et moi connais rien pas impossible pour mon Dieu là. Rien pas impossible pour mon Dieu là. Si mon Dieu veut le faire pour nous. Eh bien, frère, m'sœur, après opération ça, ennemi a été utilisé en pile monde, ennemi a été possédé en pile monde malheureusement. Pour te dire des bagages pour attrister, qui te connaît pas gain ouvert, qui pour te dire son maman milette moyen, qui pour te dire petit sème qui t'en gain petite marié pas gain petite. Tout petit monde qui marié après m'gain petite pas gain petite. Gain même qui te relève dans téléphone soit appel privé, te dit c'est ouais ma ouais petite dans même monde. En pile te ridiculisé, en pile te met de l'eau dans les yeux. Mais l'homme te qu'on a crié, l'homme te qu'on a crié, m'te rivon côté, m'te dit l'éternel, dernière fois m'te crié dans vie, c'était le 11 juin 2020, sur tous les réseaux sociaux, non, oui, la c'est à partager sur toute page, abdi, fils à son maman Milette, c'est parce que j'ai un paquet petit qui fait le paquet petit. C'est parce qu'elle faut pas qu'elle vieille bagaille qui fait pas gain petite. Il pas jamais gain petite dans ville. Dieu dit l'Éternel. Ou t'en laisse ça dit, c'est pas moi qui a dit ça non. C'est où il a fait honte là, oui sur les réseaux sociaux. Dieu dit l'Éternel. C'est où il a dit ça oui. Dieu dit l'Éternel mais défié devant oui. On t'a crié dans pied. Après quelques temps, moi même ma mari m'a continué à faire suivi médical. Tout avant mariage, mais toute bagaille était OK. Toute fertilité mari était OK. À mon grand étonnement, yon le mari mal à l'hôpital. Docteur a voyé mari faire un spermogramme. Résultat spermogramme nan dit mari pa ka gen petit. Nous pa ka gen petit. C'est pour mari planifier pour l'enfant, pour l'opérer s'il besoin gen petit. L'homme rete plusieurs fois dans comme mari, m'a dit mari, ou konnen m quand gen problème déjà n'a prié. On fait une fois pour aller faire opération. Plusieurs fois, je m'a dit ça. Marie m'a dit, il ne peut pas mettre couteau sous lui, c'est bon Dieu qui a banné nos petits, il a banné nos petits. Témoignage, ça m'a banné nous là. Je prends un temps pour me partager avec la famille. Parce que c'était dur pour moi, l'homme connaît que j'ai des complications. Et après, pour me connaître que Marie m'a fait un problème. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça pour moi. Je ne peux pas partager ça. Je me sens que j'ai perdu force. Je me suis dit que les médecins seulement m'ont partagé ça avec elle. Je me dit après, capable, mais ça m'entendait, oui. Il te dit qu'il a toujours été dans la prière, bon Dieu, capable de faire des choses. Eh bien, frère,
L'homme t'a pensé, je ne sais pas, l'homme t'est enceinte. Et pendant 3 ans de mariage, ça m'a pas de chambre enceinte dans la vie du tout, non? Et je me suis mis dans l'esprit, je me suis dit, bon Dieu, dès que vous voulez, vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, pas faire pas continuer à adorer. Ça ne peut pas continuer à baver devant vous. Eh bien, son jour, pendant que je prépare ce programme pour me diriger un service, je me suis dit, seule tête fait mal. Et puis, je suis allé à l'hôpital. Le mal à l'hôpital, le docteur a dit, je prends le bon médicament pour tête faire mal, ça a un problème. Nan. Il dit, avant de prendre le médicament, ça, je vais faire un examen pour vous. Et puis, il fait examen, il prend ensemble. Lorsqu'il prend ensemble, il me rendez-vous pour me venir prendre résultat. L'homme fini, il dit, oh, il y a de très bonnes nouvelles. Moi, je ne vais pas mettre ça dans l'esprit parce que c'est tellement que tu as fait mal. Docteur a dit, ton bêta HCG est positif. Je ne vais pas trop prendre langage médical. Le docteur a dit, bêta HCG, je vais me garder l'ange comme ça parce que je ne vais pas comprendre ça. Il dit, vous ne pas voulez ça? Je dis, qui ça lié? Oui, docteur. Il dit, vous enceinte. Je suis campé dans l'hôpital, je suis c'est l'éternel qui mon Dieu. Je suis sorti, je suis allé marim. Pour le docteur a confirmé avec marim, ça le dit, c'est ça. Le docteur a dit oui, madame est enceinte. Et bon Dieu fait. Ça n'a pas gardé à son réalité. Je ne vais pas rêver encore. Est-ce qu'on peut lever camper pour aider pour son cri devant l'éternel ça? L'éternel ou fait le bruit? Jésus ou fait le bruit? Jésus ou fait le bruit? Jésus ou fait le bruit? Jésus, merci. 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 Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Bon Dieu mérite action de grâce. Bon Dieu mérite louange. Bon Dieu mérite adoration. Lisez mon Dieu, pas qu'étant cool. Fiancé m'a annoncé, moi, laisse à moi marier que je vais me marier avec une fille qui a un ouvert. Moi, toujours d'accord pour me marier avec. De répondre, lui, vous me dites que le mariage a fondé sous l'amour avec l'harmonie. Et c'est bon Dieu qui a pris qui ça l'a fait. Dans une famille qui a 4 petites, famille Noël, il y a Kersi, Anne Guerrier qui est déjà enfantée, grande sœur. Deuxième sœur qui s'est Mikaz Andel, qui est enfantée. Il y a Alexandra qui est enfantée, moi-même qui c'est dernier garçon et seul garçon. C'est peut-être ça que fiancé, dans l'époque là, il était obligé de poser une question. Ça. Un seul garçon dans la famille. Tout seul, il est petit, lui-même, il n'est pas petit. Mais je dis, ah, je dis mon Dieu merci. Et on a un bagage qui fait me content, c'est parce que bon Dieu fait petit la plus belle que moi. Comme si nous faisons Maxime, comme si nous faisons Maxime, nous jalons en pile, parce que depuis l'heure, nous faisons petit là, les plus belles que moi, ça c'est plus beau jalousie. Et je me dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah ou grand Seigneur, Allah ou grand Seigneur, béni soit l'Éternel. Bon Dieu mérite action de grâce parce que Joyce vient fait que famille Adrien Noël gagne 4 petites et 10 petites petites. Et le Seigneur permet que papa non, pasteur Paulin, a souqué deuxième petite petite. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Nous voulons dire, frère Maxime, vous êtes capable peut-être de marier depuis combien d'années? Mais nous voulons dire que, à ce que bon Dieu, qui t'a fait pour moi-même avec toute la sèche, il est capable de faire pour vous tous. Pendant que vous avez bien pour passer pour prendre fruit ça,
quelle que soit forme stérilité que vous êtes capable de dans la vie. Nous déclarons que chaque monde qui mange un fruit ça soit. Nous déclarons que vous fécond au nom de Jésus. Que fécondité spirituelle, ou fécond physiquement, ou fécond économiquement, que toute forme stérilité prend courir devant Assoya. Que toute forme stérilité tombe plate à terre devant Assoya. C'est pour puissance, bon Dieu, rends-nous un homme, rends-nous une femme qui fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout le monde qui était là à souhait dans le moment d'action de grâce là, quelle que soit forme stérilité qui dans la vie, quelle que soit forme infertilité qui dans la vie à souhait, dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous déclarer que toute forme stérilité tombe au nom de Jésus, que toute forme stérilité tombe et au nom de Jésus-Christ, que tout le monde qui l'a à souhait, ou c'est un monde qui fertile, ou c'est une terre qui fertile, ou à porter fruit, ou à donner, ou à donner, ou à donner, ou à donner au nom de Jésus-Christ. Amen.